Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Donc, on va tester des applications de skate, donc ces deux-là. Donc d'abord, je vous montre, donc j'ai ma petite chaîne de skate, enfin j'ai un compte Instagram où je poste 2-3 trucs. Donc si vous voulez vous abonner, le nom c'est espace Yanis, espace skater, espace. Donc... pour aller sur cette application, enfin sur les deux applications, il faut couper le wifi ou sinon elle fonctionne pas très bien. Donc je vais enlever le wifi. Donc la première c'est Skater. La deuxième c'est True Skate. Je sais pas si je le dis bien. Et la troisième c'est une troisième application de skate. Donc mais la troisième elle était pas top. Donc comme vous voyez, je me suis un petit peu entraîné. J'arrive à faire 2-3 trucs, par contre ça lag un petit peu vu que je filme. Je vais vous montrer les runs que je fais. Donc là je vais arriver en grind. Je vais un show vite. Là c'est un truc complètement cheaté, je sais même pas comment je fais. Donc là un frontside. Là je vais arriver en impossible. Manual, kickflip. Là ça va être un peu n'importe quoi, donc grind, holy, grind, loop, j'arrive même pas dessus, donc c'est un enchaînement de grind. Dans le deuxième, là ça va être un où j'ai eu un bug, donc là impossible. Déjà je grind, mais c'est impossible de grinder comme ça, sinon ça devrait s'appeler un manual. Puis là donc, ça fait que de laguer. Donc là ça va être encore sur mon grind, donc elle flip, chevet, grind. À chaque fois la dernière que j'y arrive pas. Là, normalement donc ça va continuer. Manual, show vite. La vidéo va sûrement pas durer très longtemps. Mais je voulais un peu changer de ce que je faisais. Mais toujours rester sur le thème du skate. Ok, donc là c'est sûrement encore un enchaînement. Donc grind. Là encore. Et non, je suis pas top. Donc là, le dernier, là j'arrive, je grind, ça m'a pris genre 10 minutes à le faire, là impossible, oui, manuel, donc d'abord on va faire, ça c'est Oli, enfin donc elle flip, Oli, bon. Ça fait longtemps que j'ai pu jouer, donc je vais essayer d'un peu faire me chauffer. Sur l'autre jeu, il y a un mode réaliste qu'on peut mettre, donc ça va être beaucoup plus simple. Je vais juste aller dans les paramètres. Pourquoi il n'y a pas de paramètres? Bon, c'est en anglais vu que je ne suis pas très fort, donc on peut changer les chaussures, changer les planches. C'est un petit bug sympa qu'on peut faire. Normalement aujourd'hui je devais tourner à Louvain la Neuve pour faire une vidéo, mais la personne à qui je devais y aller est malade. Donc là on peut faire un défi skater, donc là c'est la run que je vous ai montré. Bon, j'espère que le son est pas trop fort, au pire je serai pas coupé en montage. Donc celle-là, ce qui est bien, c'est que la planche est vraiment légère. Une fois que ça prend pas non plus trop de temps pour réussir à faire les tricks. Par rapport à l'autre application, donc True Skate, c'est la planche est vraiment lourde. Enfin, c'est bizarre de quand t'es habitué à une planche légère de passer à une planche lourde. Bon, là je vais essayer encore le petit truc. Là c'est elle flip. Dans le double on est arrivé. Alors voilà, donc double. Petit flip. 360 sur vite tout simple. Impossible.
Maniobre. Kickflip no se va a ir. Voilà. Alors, les nullifies. Est-ce pour faire genre un 360? Non, frontside 180. Bon, il était pas clean, mais. Après, on peut ajouter des flips en faisant des backside ou frontside. Ça va donner genre des 3-6 flips. Là, ça va être un laser flip, je pense. Double. Oula, ça c'est cheaté. Donc, moi, quand je fais du skate, mes pieds sont toujours mis comme ça. Je pense que c'est régulier. Je sais pas, je connais pas vraiment les noms. J'essaie de faire un processus flip. Non, non. Bon, par contre, c'est quand même bien joué. Ça va faire un no slide. Non. Non. C'est dans l'autre sens. Voilà, front side, processus flip. Voilà, je vais faire un truc complètement cheaté. Oula, quad backside 720 dolphin flip. Franchement, si quelqu'un nous arrête à faire ça dans la vie, c'est vraiment un pro. Donc, je vais tenter des petits runs comme ça. Ce que j'ai déjà eu, c'est le jeu il a tellement bugué que je me suis retrouvé en dessous de la map. Donc là, je faisais. Des 1080 flips, c'était vraiment des trucs cheatés. Donc, ma mère, ça c'est pour enregistrer. Enregistrer un run. Donc, on a plusieurs spots. Ok. On va faire le petit flip. Voilà, donc, ça j'arrive pas à les débloquer. Donc là on a les grosses marches d'escalier avec des petites descentes et tout ça. Là c'est un très bon spot. Là c'est à Hollywood, sûrement à une université, je ne sais pas. Barrick, ça c'est une marque de skate, donc ça c'est un skatepark. Love Park, là ça doit être un parc mais pas un skatepark. El Toro, ça je connais pas vraiment, c'est des grandes marches. Ça, Makeba, ça, je sais même pas comment on dit. C'est à Barcelone. Après là on a un autre skatepark. Je l'avais jamais vu. Je pense qu'il a été remplacé. Donc je fais une petite ellipse et je rejoins pour le deuxième jeu. je vous rejoins ici. C'est celui-là, l'autre jeu de skate. Il faut tout payer pour avoir, donc c'est hyper chiant. Et ce jeu là il est hyper simple, donc franchement je vois pas vraiment l'intérêt. Donc là je vais sur le deuxième jeu, je trouve que là je vais avoir vraiment du mal parce que je viens de jouer avec un skate super léger et là ça va être un... Oula. Attends, je pense que je peux aller sur ce parc, je vais essayer. Restaurer les achats. Qu'est-ce que c'est que ça? Je télécharge tout ça par exemple. Là, je vais sur celui-là. Non, ça ne va pas. Du coup, skatepark. On va aller. C'est pas à moi là. Ouais. Bon, tant pis, ça va pas. Je vais vraiment vous montrer celui-là. Le skate, il est vraiment lourd. Il y a un mode réaliste, mais là, ça va être encore beaucoup plus chaud. J'ai vraiment du mal. J'ai quand même essayé de baisser le son, parce que ici le son est fort et ça m'en va pas. Ça ne va pas le faire. Sinon. Ah voilà. Je vais baisser le volume. Voilà. J'espère qu'on m'entend mieux. Alors ça c'est un truc complètement cheaté. Alors là, ce qui veut dire c'est qu'on peut personnaliser sa poche avec des
des photos dans notre galerie. Donc là, c'est la planche de Your Name, parce que j'aime bien les mangas. Au départ, je comptais faire une chaîne manga. Et ok, donc excusez-moi, la vidéo a coupé. Je sais pas quand elle a coupé, donc je sais pas où j'en étais. Je vais sûrement essayer de faire encore 2-3 tricks. Yes. Bien sûr, quand j'arrive à reprendre la vidéo, eh ben, il faut qu'il y ait du bruit partout. J'adore. Donc ici, j'habite tout près d'une chaussée. Plus, je pense que ma famille est rentrée. Donc, si je continue à tourner en dessous, ça n'ira pas du tout. Ah oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Non. On peut réparer le skate. Donc le skateboard. On peut aussi changer. Et tout ça. Alors là-dedans, ce qui est en mieux, c'est que c'est hyper cher pour acheter des nouvelles roues, tout ça. En vrai, ce qui est bien, c'est que... Enfin, je vais terminer sur ça. Franchement, un truc que j'aimerais bien faire, mais je sais que je le ferai. C'est un dark slide, donc c'est un slider sur le grip. En gros, regardez, si je vais le faire comme ça, alors que maintenant, non, je suis, si je vais sur skater, je vais un peu attendre. Voilà, normalement si je vais sur skater, une fois que j'essaie de remettre mes pieds, ça va automatiquement tomber. Donc c'est impossible de faire un dark slide. Et... franchement, je trouve que c'est le seul. Ouais. Sur l'autre jeu, il y a des points faibles. Enfin, non, pas de points. Oula, il a encore des défauts. Il y en a plein. Ici, à part que ça bug un peu, parce que c'est, le jeu est encore en développement. Quoi. Alors que l'autre il est déjà fini. Franchement, ici on peut pas faire des dark slides et c'est difficile de. Comment dire, de débloquer de nouveaux spots. Bon, l'autre aussi, l'autre on peut même pas le faire, il faut payer. Donc c'est totalement gratuit. Plus, non, là, les deux applications que je viens de vous montrer, c'est mes applications payantes. Comme ça, je peux vous montrer la qualité parce que généralement les applications gratuites. C'est des jeux en 2D ou des trucs dans le genre, donc enfin, bref. Ben, on va se laisser là-dessus. Donc je vous dis à la prochaine.